Attention, attention aux arnaques. Ce message est pour tous les révolutionnaires et pour toute la grande famille révolutionnaire. Il y a un groupe de personnes qui se présentent et tant que des révolutionnaires qui viennent au nom de Daddy pour dire que Daddy nous a envoyé faire telle chose, ou bien pour les orphelins, pour soutenir les nécessités, bien-aimés et dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez faire attention. Et nous sommes en train de mener des enquêtes et nous avons même remarqué que ces personnes-là ont même créé un compte PayPal au nom de la prière révolutionnaire. Pour tous ceux qui font, n'est-ce pas, leur service au nom de PayPal, de prière révolutionnaire, avant de valider, s'il vous plaît, vérifiez que ça soit prière révolutionnaire 01@gmail.com. Il faut vérifier avant de valider. Et avant, bien aimé, d'accorder, n'est-ce pas, du crédit ou de l'attention à qui que ce soit venant au nom de prière révolutionnaire, vous pouvez vérifier auprès, n'est-ce pas, de nos modératrices. Nous avons un groupe qui fonctionne, nous avons des modératrices et nous avons des références. À part ces références, bien aimé, il n'y a pas d'autres références. Il y a plusieurs enfants de Dieu, il y a plusieurs enfants de Dieu qui se font, n'est-ce pas, arnaquer par des personnes venant au nom de l'apôtre Joël. Nous avons reçu, n'est-ce pas, des personnes qui nous ont dévoilé cette machination. Nous savons que derrière cela se cache le diable, mais vous devez être vigilant. Voici le numéro de contact. Nous en avons plusieurs, mais je vous donne plusieurs connus que nous partageons dans le live, s'il vous plaît. Pas de numéro que nous ne connaissons pas ou pas un compte. Il y a même des personnes qui ont créé, n'est-ce pas, une page YouTube avec le nom de l'apôtre Joël ou page Facebook ou n'importe quel réseau pour, n'est-ce pas, arnaquer. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le contact du ministère 00 plus. Donc, je répète, plus 225 07 88 260. 15 460 ou bien pour le Caraïbe et nos amis des îles 00 596 696 05 73 77 deuxième numéro 00 596 696 20 77 58. Voici là le quelques numéros de la prière révolutionnaire. Vous êtes contacté par une tierce personne, par une personne plutôt, qui vient, n'est-ce pas, au nom de l'apôtre Joël, au nom de la prière révolutionnaire, vous demandant de l'argent ou vous demandant quelque chose. Croyez-moi, cela ne nous engage en rien. Nous n'avons délégué personne pour faire, n'est-ce pas, ce genre de choses. Vous connaissez le sérieux que nous avons dans ce ministère et le sérieux de toutes les actions et les œuvres que nous faisons, n'est-ce pas, en faveur des orphelins. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, soyez vigilants. Partagez ce message à vos amis, à vos frères, n'est-ce pas, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, être avisés. Tout le frère et toutes les sœurs de la grande famille révolutionnaire. Donc, si quelqu'un vous contacte au nom de l'apôtre Joël pour donner de l'argent, pour donner de, je ne sais pas quoi que ce soit, bien aimé, n'écoutez pas cette personne. Nous n'avons délégué personne et nous avons de voix connues et que je viens de vous partager d'ailleurs quelques numéros. Et pour ceux qui ont le PayPal, bien aimé, ceux qui font le service dans le PayPal, s'il vous plaît, avant de valider, vérifiez bien que ça soit prière révolutionnaire en un mot. Donc, prière révolutionnaire 01@gmail.com. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom chez vous. Déclaration de foi de la prière révolutionnaire. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche
que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par sept chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je suis très heureux de savoir que vous êtes connectés en ce moment, que nous voulons partager avec vous de moments puissants dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Alléluia, je voudrais que vous puissiez inviter quelqu'un, invite un frère, invite une sœur à venir expérimenter la main de Dieu en ce moment précieux. C'est un moment de grâce, un moment de gloire et de puissance, et le Seigneur étendra sa main d'une manière exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Waouh! Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est glorieux, le Seigneur est puissant, sa gloire est parmi nous. Waouh! Puissant, puissant, puissant! Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu qui nous donne cette grâce et cette opportunité de partager avec vous ce moment. Je suis convaincu que le Seigneur va se manifester fortement dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je voudrais que tu invites un frère, invite une sœur à venir expérimenter la gloire et la puissance de Dieu, parce que je suis convaincu que Dieu se manifestera. Je veux que tu puisses aller dans le groupe WhatsApp de la famille révolutionnaire et je voudrais que tu puisses inviter un frère, invite une sœur, partage ce lien, invite quelqu'un à venir expérimenter la gloire de Dieu et dites à quelqu'un que Daddy est déjà connecté. Est-ce que quelqu'un peut, n'est-ce pas, inviter quelqu'un? Vas-y, cher ami, n'est-ce pas, dans tes contacts WhatsApp et partage ce lien, partage cette connexion pour sauver la vie de quelqu'un et briser, bien aimé, dans le Seigneur,
toute puissance de l'ennemi Satan, de partout où vous êtes, je suis dans la joie de savoir que vous êtes connectés. C'est un privilège pour moi de partager avec vous ces quelques instants dans la présence de Dieu. Quelqu'un m'a pas dit très fort amen. Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux commencer à faire monter des feuilles devant le trône de Dieu? J'entends que tu fasses monter des feuilles. Cher ami, fais monter des feuilles. Jésus-Christ est glorieux. Jésus-Christ est vivant. Sa gloire est parmi nous. Sa puissance est parmi nous. Et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Quelqu'un peut écrire avec moi, sortir de l'emprise des esprits anti-mariage. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, sortir de l'emprise des esprits anti-mariage? Sortir de l'emprise des esprits anti-mariage. Quelqu'un n'a pas dit très fort amen avec moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Sortir, être libéré de l'emprise des esprits non-mariage, des esprits anti-mariage, des esprits qui s'opposent au mariage. Je voudrais, cher ami, prendre avec vous ce puissant verset. Prenez avec moi dans Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 5. Quelqu'un a trouvé la parole de Dieu dans Éphésiens. Nous sommes dans le chapitre 5. Alléluia. Éphésiens, chapitre 5. Nous commençons d'ailleurs à lire le verset 25. Je voudrais d'ailleurs avec vous commencer à lire, n'est-ce pas, à partir du verset 21. Éphésiens, le chapitre 5, en commençant par le verset 21. La Bible est en train de nous dire, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Le verset 27. Afin de faire paître devant lui, paraître plutôt devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Écoutez bien ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Nous sommes dans quel verset? Dans le verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront
une seule chair. Ce mystère est grand. Retenez bien ça. Ce mystère est grand. Quelqu'un peut écrire avec moi. Ce mystère est grand. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Ce mystère est grand. N'est-ce pas? La Bible continue à dire. Nous sommes dans le verset 32. Ce mystère est grand. Et j'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Vous voyez, chers amis, lorsque vous lisez ce verset, vous comprenez un certain nombre de choses. Qu'est-ce que nous comprenons au travers de ces versets? La Bible est en train de faire la comparaison du mariage de l'homme, la femme et de l'Église et Christ. Je répète encore, la Bible est en train de faire cette comparaison ou ce parallélisme entre l'homme, la femme, l'Église et Christ. Et la Bible est en train de nous parler de ces mystères. La Bible dit, lorsque vous lisez avec moi dans le verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La Bible est en train de parler d'un mystère. Depuis la création, cher ami, Dieu a toujours voulu que l'homme et la femme soient ensemble. Et la première institution que Dieu a établie sur la terre, c'est le mariage. La première institution que Dieu a établie sur la terre, c'est le mariage. La Bible dit que Dieu n'a pas vu qu'il était bon que l'homme soit seul. Et la Bible dit que Dieu a fait tomber l'homme d'un profond sommeil et a créé, n'est-ce pas, la femme. Et lorsque l'homme se réveilla de ce sommeil, il a vu la femme et Dieu a béni l'homme et la femme. Il les a bénis et il a déclaré, multipliez-vous, assujettissez la terre, dominez sur tout ce qu'il y a sur la terre. Donc, la première institution que Dieu a établie sur la terre, c'est le mariage. Est-ce que vous savez que l'Église est une institution divine? Mais l'Église, étant que institution divine, vient après l'institution du mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne voudrais pas ici choquer des religieux. Ceux qui ont l'esprit, quand je dis les religieux, c'est ceux qui ont l'esprit de la religion. N'est-ce pas? Et ceux qui n'ont pas l'esprit de la révélation. Donc, la première institution qui a été créée, que Dieu a installée, instaurée sur la terre, c'est le mariage. C'est le mariage et ce n'est pas l'Église. L'Église est une institution, mais l'Église est venue après. Les deux premières institutions qui ont été créées avant, bien-aimé, dans le Seigneur, l'Église, c'est le mariage et c'est la femme. Et c'est dans ces deux institutions que Dieu a déposé tout même sa divinité. C'est dans ces deux institutions que Dieu a déposé toute sa force et sa puissance. La Bible dit d'ailleurs, lorsque vous lisez dans la Bible, n'est-ce pas, dans Genèse, la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Et vous allez voir que c'est rare
dans le plus rare verset de la Bible, où la Bible dit que Dieu venait tout le jour pour visiter Adam et Ève. Voyez, Dieu venait tout le temps pour visiter Adam et Ève sur la terre. Donc, il venait dans toute sa divinité et parlait avec Adam et Ève. Il était en train de les instruire. Et c'est la plus grande institution que Dieu protège. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est la plus grande institution que Dieu protège. Vous allez vous rendre compte, avant que Dieu ne puisse créer Adam et Ève, Dieu a d'abord créé l'environnement où Adam et Ève devaient vivre. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, Adam et Ève devaient vivre dans un environnement déjà préparé par Dieu. D'accord? Et la Bible dit que Dieu lui-même s'est soucié d'Adam. Quand il a vu Adam était seul, il a parlé dans sa divinité. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors Dieu créa la femme et Dieu institua le mariage. Et depuis ces jours-là, vous allez voir que le premier combat qui a commencé, c'était le combat dans le mariage. Dieu crée l'homme et la femme. Il donne à l'homme la domination et à la femme la domination. Et le diable, jaloux de la position que Dieu a donné à l'homme, est jaloux de l'institution du mariage que Dieu a instauré, le diable est venu s'infiltrer. Donc, les combats bien-aimés qui empêchent le mariage et les combats qui combattent le mariage n'ont pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Vous allez vous rendre compte, la Bible est en train de nous dire, bien aimé dans le Seigneur, que le diable s'est transformé en serpent. Et vous savez avec moi qu'il y a plusieurs théories, voilà, par rapport à cela, et beaucoup de courants, disent, des courants bibliques, bien sûr, disent que non, voilà, la femme, n'est-ce pas, a eu des moments intimes avec le serpent, parce que Caïn n'était pas l'enfant d'Abraham, plutôt d'Adam, et voilà. Il y a plusieurs hypothèses et plusieurs débats sur ce point-là. Ça, ce n'est pas notre sujet. Mais notre sujet, c'est de nous faire comprendre que les esprits anti-mariage a commencé depuis la nuit des temps. Depuis la création, alors que le diable a été chassé du ciel, le diable s'est attaqué à la première institution que Dieu a créée. Et non seulement que le diable s'est attaqué à la première institution que Dieu a créée, mais le diable a empêché par des esprits maléfiques que des personnes que Dieu a créées puissent entrer dans cette institution de mariage. C'est là d'ailleurs qu'a commencé les esprits anti-mariage. Ces gens d'esprit, bien aimés dans le Seigneur, ce sont des esprits de mari et femme de nuit dans la catégorie des esprits des eaux. Leur travail, c'est de s'opposer au mariage. Ce sont des esprits anti-mariage. Et ce combat a commencé depuis le jardin d'Éden. Le diable a créé des problèmes entre Adam et Ève. Le diable les a privés de la gloire. Le diable a volé ce que Dieu avait donné à Adam et Ève.
Et Dieu était contraint de le chasser, de chasser Adam et Ève en dehors du jardin, de l'environnement qu'il a préparé pour leur épanouissement. Je voudrais dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix, les esprits anti-mariage agissent dans la vie de plusieurs. Beaucoup de personnes bien-aimées dans le Seigneur ne savent pas que derrière le combat de célibat qui est dans sa vie, derrière ce combat qui se lève contre sa vie, il y a un esprit anti-mariage. Et cet esprit anti-mariage, bien-aimé dans le Seigneur, est tellement ancré dans ta vie, tellement ancré, bien-aimé, que tu n'arrives pas à t'en sortir. Écoutez, cher ami, les esprits anti-mariage attaquent même les mariés. Je vous avais dit tout au long de cet enseignement que tu peux être marié sans être marié. Ça veut dire que tu es dans le mariage, mais à vrai dire, tu n'es pas en train de jouir. Tu n'es pas en train de jouir du bonheur qu'il y a dans le mariage. Tu n'es pas en train de vivre l'épanouissement qu'il y a dans le mariage. Et d'ailleurs, avant, quand tu réfléchis, tu te dis, quand j'étais célibataire, j'étais d'ailleurs mieux que maintenant que je suis marié. Et lorsque un homme anti-mariage et une femme anti-mariage, combattus par des esprits où il y a des alliances anti-mariage, se mettent ensemble, bien aimés dans le Seigneur, c'est une bombe à retardement. Une bombe bien-aimée qui explosera un jour. Pourquoi? Parce que dans la vie de l'homme, il y a des réclamations. Ça veut dire que même l'homme est dans le mariage comme s'il est célibataire. Il ne s'est jamais considéré marié. La femme, elle est dans le mariage comme si elle est célibataire. Elle ne s'est jamais considérée mariée. Et les deux, lorsqu'ils se mettent ensemble, bien-aimés, des choses ne peuvent jamais marcher. Les esprits anti-mariage s'opposent de la vie et de destinée de plusieurs. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi, cher ami, il y a certaines grâces, il y a certaines bénédictions, il y a certaines destinées glorieuses, il y a certaines gloires qui n'arriveront dans ta vie seulement lorsque tu seras dans l'institution divine du mariage. C'est la volonté de Dieu. Et toi qui es dans l'institution du mariage, bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire que lorsqu'il y a des oppositions, bien-aimé, tu dois comprendre qu'il y a un esprit anti-mariage. Et ces esprits sont des esprits de réclamation. Ils te réclament. Il te ramène à la paix, à la case de départ. Combien de divorces tu as fait? Je vais vous donner plusieurs exemples comme ça dans la Bible des esprits anti-mariage. Je vous donne l'exemple de Vachi. La Bible nous parle de Vachi. Qui connaît Vachi ici? Vachi, c'était celle qui était avant que Esther puisse se marier avec le roi. Cette femme, elle était honorée. Elle était honorée à un niveau fort. Elle était la femme du roi. Donc, elle avait tout ce qu'elle voulait. Mais Vachi avait un esprit de réclamation anti-mariage. La reine Vachi, bien-aimée dans le Seigneur, a perdu son mariage à cause de quoi? À cause de son orgueil. Bien-aimée, toi qui es mariée,
Je voudrais te dire, le mariage n'est pas un acquis. Est-ce que tu m'entends? Non, est-ce que tu m'entends? Le mariage n'est pas un acquis. Pendant que toi tu es en train de négliger ton roi. Quand je dis ton roi, je parle de ton mari. Sache qu'il y a des Esther qui sont dehors. C'est dur, hein? Mais c'est la réalité. Le mariage n'est pas un acquis. Et il y a beaucoup de personnes bien-aimées dans le Seigneur, réclamées par des esprits anti-mariage. Lorsqu'elles rentrent dans le mariage, bien-aimées, elles croient que tout est fini, tout est accompli. Non! C'est là même, bien-aimé, que tu dois doubler de vigilance dans la prière. Dieu peut te donner ta bénédiction comme ça dans tes mains. Et toi-même, écoute, la Bible dit, une sage femme bâtit sa maison. Mais une femme insensée renverse et détruit sa maison. Et ce que j'aime avec la Bible dit, il détruit sa maison de ses propres mains. De ses propres mains. Vati était élevée à une position. Elle était la femme du roi. Elle était la reine. Mais elle ne savait pas qu'elle avait des combats. Un esprit anti-mariage. Écoutez, les esprits anti-mariage peuvent te réclamer même dans la chaise du mariage, dans le trône même du mariage. Vous n'avez jamais vu le jour même de la fête du mariage, l'homme te quitte. Et l'homme va avec la fille d'honneur. La fille qui était... Bon, maintenant, je ne suis pas en train de te dire ici de soupçonner toutes les filles d'honneur. Je ne suis pas ici en train de te dire de faire un mariage sans fille d'honneur. Non. Je suis seulement en train de te rendre vigilant. L'homme est parti. C'est-à-dire que quand l'homme était assis, quand la fille d'honneur dansait, c'est-à-dire que quand elle dansait, l'homme dit, mais qu'est-ce que je fais avec celle-là? Normalement, celle qui devait porter la robe blanche, c'est celle qui danse là. Et la fille de mère avait déjà compris ça. Alors, elle s'est déhanchée. Elle montait, elle descendait. Et l'homme ne pouvait plus. Et le mariage s'est rompu le jour du mariage. Ne crois pas, bien-aimé dans le Seigneur, que alors que tu as ce mariage, tu as tout gagné. Non, tu dois être vigilant, tu dois t'entretenir, tu dois pimenter certaines choses. On parlera avec les mariés. Je dis on parlera dans ces groupes-là. On parlera. Lorsque nous allons commencer, bien-aimé dans le Seigneur, à élever notre autel là. On parlera, on priera sur certaines choses. Vati était réclamée, cher ami, par des esprits anti-mariage. Elle était dans le mariage. Elle a fait des années. Et la Bible dit quoi? Elle était belle. Oh, elle était belle. Dieu a créé toute personne. Et nous sommes tous et toutes des belles créatures de Dieu. La beauté, elle est aussi relative. Mais il y en a qui ont la grâce de la beauté. C'est-à-dire qu'il y a des beautés, voilà. On est belle, on est beau, on est belle. Mais il y en a qui ont une onction de la beauté. Elle est onctionnée pour ça. Ou bien il est onctionné. Quelqu'un a le son de ma voix. Quand la Bible écrit, écoute, quand la Bible écrit qu'il était beau de visage, ce n'est pas n'importe qui.
quand la Bible écrit qu'elle était belle de taille, il y a des versets. Écoutez, au travers des cinq enseignements, tu comprendras certaines choses. Je vous avais dit que les esprits aussi, les mariés et femmes de lui, peuvent détruire ta taille. La Bible dit qu'elle était belle de visage et belle de taille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Fatih est arrivée à cette dimension-là. Elle était orgueilleuse. Est-ce que vous savez que l'orgueil fait partie des accompagnateurs des esprits anti-mariage? Le roi a appelé Fatih pour que Fatih montre sa beauté. Fatih a refusé, elle a boudé. Or, elle ne savait pas, aussi un acte aussi banal, une loi peut être promulguée à cause de cet acte-là. Vous savez, tu peux être bien avec ta femme, tu peux être bien avec ton mari, tu joues toujours avec ses nerfs, tu joues avec les nerfs de ta femme, tu es toujours en train de jouer avec elle, tu penses qu'elle est ton jouet, tu joues avec ton mari, tu penses qu'il est ton jouet, mais un jour, Esther apparaîtra. Je suis en train de te dire, Esther est dans le parage. Lorsque je dis ça, des hommes mariés, des femmes mariées commencent à regarder. Ils disent, c'est quoi ça? Ce sont des réalités, chers amis, que nous devons connaître. S'il vous plaît, partagez le lien. Je vois dans les groupes qu'il y a des personnes qui écrivent, mais où est le lien? Où est le... Partagez le lien de ce live. Un esprit anti-mariage a réclamé Fatih. Fatih qui était élevée dans la position des reines, elle est retournée à la case de départ. Elle a perdu sa position. Derrière ça aussi, cher ami, c'est caché des esprits. Les esprits anti-mariage peuvent te faire perdre ta position. Les esprits anti-mariage, bien-aimés, peuvent aussi faire de toi veuve ou veuve précoce, veuvage précoce. Nous avons l'histoire de la Bible, de Ruth, de Orpa et de Naomi. Ruth, Orpa et Naomi, trois femmes réclamées. Ruth, Naomi d'abord, elle perd son mari. Veuvage précoce. Après quelques temps, Ruth perd son mari. Orpa aussi perd son mari. Les trois femmes se retrouvent. Vous lisez ça dans Ruth, le chapitre 1. Les trois femmes se retrouvent sans mari. Veuvage précoce. Naomi n'avait pas prévu de perdre son mari, n'est-ce pas, quand elle était partie dans ce pays. Non. Ni Ruth, ni Orpa. Et vous allez vous rendre compte que Naomi a dit non, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, parce qu'elle était dans l'amertume. Femme, tu dois prier pour ton mari. Marie, tu dois prier pour ta femme. Les esprits anti-mariage, bien-aimés dans le Seigneur, peut faire de toi veuve précocement avant le temps. Il y a des témoignages où l'homme et la femme, le mariage était tellement beau, mais après quelques années, quelques mois, le mari perd sa vie ou la femme perd sa vie. Pourquoi? Parce que l'homme ou la femme s'est rencontré avec des résistances. La Bible est en train de dire d'ailleurs que Ruth est allée, s'est attachée à Naomi par alliance. Et Ruth est allée, Ruth a renversé
cette situation. Ruth a renversé cette malédiction. Ruth, elle a renversé ses interdictions maléfiques. Ruth a brisé l'esprit des démons, des esprits plutôt anti-mariage. Ruth a renversé cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Orpa? Orpa est retournée à la case de départ. La maison qu'elle avait laissée, elle est retournée dans cette maison-là. Elle était sortie dans cette maison pour se marier, mais elle est retournée célibataire. Combien de fois tu es retourné chez tes parents? Combien de tes sœurs sont retournées à la maison familiale? Combien de frères sont retournés à la maison familiale? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Comment expliquer que tout le monde quitte leur mariage? Tu verras la femme qui passe beaucoup plus du temps chez ses parents qu'avec son mari ou ses enfants. Je ne te dis pas de te séparer avec tes parents, non, pas du tout. Mais l'ordre de priorité doit changer. C'est d'abord ton nouveau foyer, ton nouveau couple, ton nouveau foyer que tu construis. Tu verras que l'homme va passer du temps plus dans sa famille que dans sa maison. Et les esprits anti-mariage peuvent t'empêcher de te marier. Les esprits anti-mariage, ce sont des esprits qui s'opposent à toute proposition de mariage dans ta vie. Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Tamar a perdu son mari. Tamar, elle était devenue la rusée de sa belle famille. Elle avait perdu son honneur, elle avait perdu son mari, elle avait perdu tout. Elle n'avait droit à rien. Et c'est comme ça, certaines personnes, tu t'es marié, le mari avait tout, mais aujourd'hui séparé, tu n'as rien. Chaque fois que tu rencontres que des hommes qui ont l'argent, qui ont une certaine position. Qui a une certaine position. Tu rencontres ces hommes-là et tu y es bien avec eux. Mais bien aimé, ces hommes-là n'étaient pas. J'étais en train de prier pour une de mes filles. Elle était mariée à, elle est mariée à un millionnaire. Mais cet homme-là, même pas un frère, il donne. Il ne peut même pas aider sa femme. Il peut payer les vacances. Vous allez dans les hôtels 30 étoiles, même pas 6 étoiles, même pas 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles. L'homme peut tout faire pour les vacances, vous mangez, mais pour te donner comme ça là, jamais. Parce que les esprits anti-mariage, ce sont les esprits anti-progrès. Écoutez, cher ami, j'insiste encore pour que vous puissiez entendre le son de ma voix. Il y a certaines bénédictions qui arriveront dans ta vie seulement lorsque tu entreras dans l'institution divine de Dieu du mariage. Il y a certaines percées qui s'ouvriront dans ta vie, qui arriveront lorsque tu entreras dans l'institution des dieux du mariage. Mais lorsque aussi tu te lèveras et briseras les esprits anti-mariage. Depuis que tu es marié, il y a des femmes et des hommes qui font semblant. Ils rigolent. Quand on lui pose la question, comment va ton mari? Ça va très bien. Comment va ton ménage? Ça va très bien. Comment vont tes enfants? Ça va très bien. Quand on pose la question, comment va ta femme? Tout va très bien. Mais dans la maison, c'est la guerre. La
gentillesse que le mari montre aux autres. Ce n'est pas la gentillesse qu'il montre dans sa maison. Sa femme est devenue son adversaire. Esprit anti-mariage. L'homme est devenu ton adversaire. Tu donnes une certaine image à l'extérieur. Mais à l'intérieur, toi-même, tu sais, vous ne vous parlez pas. Lorsque vous recevez du monde à la maison, maman, quel amour! Maman, maman! Là, c'est tout à chouchou, doudou à moi, chéri à moi, bébé à moi, mon chouchou, bébé, est-ce que tu as vu ça? Tout le nom, vous finissez tous les dictionnaires des noms tendres d'amour. Bébé, chouchou, amour, oh là là, mon cœur. Quand les gens sont, mais quand ils sont, ils disent, mais vraiment là, mais ça c'est vraiment un couple modèle. Et quand tu leur dis, c'est que, Amblobio, t'es fait, ton mari t'es fait, ils vont pas te croire, ils vont dire, mais arrête, Amblobio n'est pas comme ça. Apparence. Mais au fond, des ennemis jurés. Les esprits bien-aimés dans le Seigneur, anti-mariage, ce sont des esprits qui t'empêchera de vivre, d'entrer dans le mariage. Ça veut dire quoi? Il y a une zone non-droit. Une zone non-droit. Ça veut dire que dans cette zone-là, tu ne peux pas entrer. Et ces esprits bien-aimés dans le Seigneur sont dans la catégorie des esprits des eaux. Ce sont des esprits qui haïssent le mariage. Ils combattent le mariage. Écoutez bien aimé, je ne sais pas si vous me saisissez. Le mariage selon le plan de Dieu est déjà une bénédiction et une couverture spirituelle dans ta vie. Vous savez, dans la société, dans la vie de tous les jours, il y a certains postes de responsabilité qu'on ne pourra pas te donner si tu n'es pas marié et stable. Même spirituellement, même dans les choses de Dieu, il y a certaines dimensions que tu n'atteindras pas. Pourquoi? Parce que le diable veut te ridiculiser avec les esprits anti-mariage. Il y a une certaine couverture qui arrivera dans ta vie lorsque tu entres. Voilà pourquoi tu as des résistances. La Bible dit, une grande porte m'est ouverte avec un accès efficace. Mais les ennemis sont nombreux. Pourquoi tu as cette résistance-là? Pourquoi tu peux te poser des questions que dans tous les domaines tu réussis? Tu réussis dans tous les domaines, sauf dans ce domaine-là. Lorsqu'on te regarde, mais tu es une femme à marier. Tu es un homme responsable. Mais tu réussis dans tous les autres domaines. Tu es brillant. Pourquoi l'ennemi s'oppose à ça? Pourquoi l'ennemi s'élève là? Parce que le diable sait que Dieu a béni le mariage. Je suis en train de te dire, les esprits mauvais ou les réclamations anti-mariage ne commencent pas quand tu as 15 ans, ni 20 ans, ni 25 ans, ni 30 ans, ni 40 ans. Non, ça ce sont des manifestations. Mais ces esprits commencent déjà depuis les fondations. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je vais aller doucement. Les esprits anti-mariage sont des esprits qui nous empêchent
d'entrer dans le bonheur du mariage selon le plan de Dieu. Que tu sois marié ou pas marié. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je vais aller doucement pour que tu comprennes. Ce sont des esprits qui combattent nos vies pour que nous n'en puissions pas entrer dans le bonheur du mariage, quand tu sois marié ou pas. Parce que comme je disais, il y en a qui sont mariés seulement de papier ou de feuilles, ou de fêtes plutôt, excusez-moi, des fêtes. Mais en réalité, il n'y a rien. Et le diable sait. Je vous avais dit, cher ami, lorsque vous voyez que le domaine de votre mariage est combattu, vous devez savoir que vous n'avez pas n'importe quel mariage. Que Dieu a préparé pour toi un mariage de destinée. Voilà pourquoi, dans la dimension de choses spirituelles, il y a certaines choses, bien aimées, que tu dois aller arracher. Les royaumes des cieux, les choses de Dieu, appartiennent aux violents. Maintenant, cher ami, les esprits anti-mariage entrent dans nos vies ou prennent les contrôles dans nos vies par rapport aux fondements négatifs et maléfiques de nos familles. Je vous avais dit que je veux parler avec vous sur le fondement, on en parlera. Mais tu vois, vous voyez, cher ami, que tout cet enseignement, ces enseignements nous ramènent toujours aux fondements maléfiques. Un esprit anti-mariage n'agit pas par hasard dans ta vie. Je vous avais dit, pour qu'un esprit maléfique puisse agir dans votre vie, il faut qu'il trouve des alliances et des droits légaux. Les alliances lui donnent des droits pour que ces esprits-là agissent dans votre vie. Voilà pourquoi ces genres d'esprits, pour le chasser, tu dois aussi avoir des alliances. Parce que les alliances, seulement une alliance plus forte et plus grande peut briser une alliance faible. Quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, ce sont des esprits qui ont trouvé des droits légaux dans nos familles, dans nos vies plutôt, au travers des alliances qui ont été établies dans nos familles. Écoutez-moi, chaque chrétien, chaque personne est assis sur un fondement. Et le résultat de ta vie est lié au fondement sur lequel tu es assis. Et sur chaque fondement, il y a des alliances. Le fondement, c'est quoi? Lorsque je parle des fondements, bien-aimés, je répéterai toujours ces définitions pour vous aider, pour comprendre que l'esprit anti-mariage, tu ne peux pas les chasser. Esprit anti-mariage, lâche ma vie, sans que tu ne connais. La Bible dit, nous prions, nous ne voyons pas les doucements ou nous ne recevons pas parce que nous prions mal. La prière est une arme, bien-aimée dans le Seigneur. Pour chasser un esprit de ces domaines-là, plutôt de ce calibre-là, tu dois aller, bien-aimé, dans le Seigneur, dans la profondeur et toucher le véritable problème. Pour briser un esprit de ces calibres, tu dois aller dans la profondeur, cher ami. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Lorsque je parle de fondement, le fondement sont des choses qui ont été tapissés dans nos vies, cela ne date pas d'un jour, ni d'aujourd'hui, mais ce sont des choses qui sont accumulées de génération en génération. Je vais te poser une question. Tu es de quelle génération dans ta famille? Tu es de quelle génération? Donc vous comprenez que vous n'êtes pas la première génération de votre famille. Avant vous, il y a des gens qui ont été. Et ces personnes qui ont été avant vous, ils n'ont pas servi forcément Dieu.
Ils ont servi des traditions. Ils ont servi des croyances. Ils ont servi, bien-aimé dans le Seigneur, des choses qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Ils ont conclu des alliances. Ils ont servi dans des coutumes. Ils ont servi dans des traditions, dans des pratiques sorcelleriques. Et c'est d'ailleurs là que la sorcellerie est, n'est-ce pas, a pris sa place et son pouvoir. C'est dans le fondement. Parce que nous avons différentes sortes de la sorcellerie. Nous avons la sorcellerie la plus compliquée, mais que tu peux briser. C'est la sorcellerie du fondement. Parce qu'il y a des alliances qui ont été faites avant vous. Vous, quand vous êtes nés, vous avez trouvé un fondement. Quand vous êtes nés, vous avez trouvé un fondement. Ça veut dire quoi? Vous avez trouvé une famille, vous avez trouvé une histoire, vous avez trouvé des conflits, vous avez trouvé des souvenirs, vous avez trouvé des choses. Vous n'êtes pas de la première génération de votre famille. Et croyez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, les esprits anti-mariage, ce sont des esprits qui sont dans le fondement de nos familles. Comment vous allez vous rendre compte de ça? Vous allez vous rendre compte que vous êtes sous le joug des esprits anti-mariage lorsque vous regardez ce qui se passe dans la vie de vos soeurs, dans la vie de vos frères, dans la vie de vos tantes, dans la vie de vos cousins, dans la vie de vos cousines. Et lorsque tu remarques ça, tu regardes ça avec l'œil de l'esprit, tu comprendras sous quelle fondation que tu es, sous quel fondement que tu es, parce que tu es issu des deux familles. Tu es issu de la famille d'abord élargie. Tu es issu d'abord de la famille élargie. Tu es issu de la famille élargie. Là, on parle des cousins, on parle des tontons, on parle des tantes, on parle des grands-mères, on parle des grands-pères, on parle. Donc, c'est-à-dire que tu es d'abord issu de la famille élargie. Tu as d'abord cet héritage-là. La deuxième héritage, c'est l'héritage de la famille restreinte. Ta mère est venue de sa famille avec son héritage. Ton père est venu de sa famille avec son héritage. Et ils se sont mis ensemble. Et dans les histoires des alliances, c'est l'alliance qui est forte, qui domine. Lorsque vous voyez, écoutez, beaucoup de chrétiens m'étonnent. Je comprends qu'ils ne connaissent pas les domaines du combat spirituel. Ils traitent avec légèreté les esprits anti-mariage. Ils traitent avec légèreté le mariage combattu. Ils traitent avec légèreté les célibats maléfiques. Ils traitent avec légèreté les déserts du célibat. Ils traitent avec légèreté les prisons des esprits des eaux. Oh, bien-aimé, si vous le traitez avec légèreté, vous allez demeurer prisonnier de ça. Aujourd'hui, tu es en train de me suivre. Tu as 7 enfants, tu as 8 enfants, tu as 9 enfants. Chaque enfant a son père. Est-ce que vous pensez que ce qui est en train de vous arriver, c'est normal? Il y a un problème de fondation. Vous allez vous rendre compte que toutes les filles sont belles dans votre famille, élargie et restreinte. Mais regarde si elles réussissent dans le mariage. Si tu commences à compter, tu en compteras peut-être 2. Mais quand tu vas même dans le 2 ou 5 personnes qui sont dans le mariage, il y a des réalités pires. Des fois que tu ne connais pas. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il y a des choses qui se sont accumulées de génération en génération. Et ces choses vous ont condamné. Certains combats que vous avez, ce sont les combats de vos mères. Certains combats que tu as aujourd'hui, c'est les combats que ta mère n'avait pas livrés. C'est les combats que ton père n'avait pas livrés. C'est les combats que dans la lignée des femmes,
Personne n'a livré ces combats-là. Et ce combat est en train de te suivre par rapport à quoi? Par rapport au fondement maléfique. Et dans ces fondements, il y a des alliances, il y a des hôtels maléfiques, il y a des paroles et les esprits mauvais sont engagés. Quelqu'un entend le son de ma voix? Vous pouvez être là, vous êtes en train de livrer le combat de votre mère, le combat que ta mère ni ne connaissait et n'a même pas livré. Tu es en train de livrer le combat de ton père, le combat que ton père ne savait pas, le combat que ton père n'avait pas livré, ou même le combat que ton père a échoué. Voilà pourquoi, bien-aimé, je suis vigilant à cela. Même toi, tu dois être vigilant. Il faut regarder là où ta mère a échoué, que toi, tu n'échoues pas là-bas. Il faut regarder là où tes soeurs ont échoué, que toi, tu n'échoues pas dans ce domaine-là. Il faut regarder là où ton père a échoué, que toi, tu n'échoues pas dans ce domaine-là. Il faut regarder là où tes frères, tes oncles échouent, que toi, tu n'échoues pas dans ces domaines-là. Il faut regarder quel genre d'hôtel. Voilà pourquoi, lorsque tu comprends ces choses, bien-aimé, tu deviens un bâtisseur d'hôtel. Parce que, écoutez, ces domaines-là, ces dimensions du combat n'obéissent qu'aux alliances. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les fondements maléfiques décident du niveau de vie que tu dois atteindre. Du niveau de vie financier. Dans le domaine financier, matériel, social, même sentimental. Et les esprits anti-mariage, ce sont des esprits, des eaux, qui ont établi des alliances dans nos familles. Et ils agissent selon leurs droits. Pourquoi? Parce que ils ont établi un gardien d'hôtel physique qui va offrir sur les hôtels sataniques et maléfiques. Il va amplifier les hôtels maléfiques. Il va alimenter ces hôtels pour que ces esprits continuent à assujettir la famille. Lorsqu'il y a un esprit anti-mariage, l'esprit anti-mariage peut faire qu'un homme puisse marier toutes les filles de la famille. Mais cet homme-là est l'homme qui a un lien de sang avec vous. D'une façon élargie ou restreinte. Je vous avais dit, faites attention dans la famille où il y a une personne qui s'est levée avec beaucoup d'argent. Si ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Et si ce n'est pas un homme qui aime Dieu, ça vient du diable. Parce que dans la vie, hein, il y a certaines dimensions que tu ne peux pas atteindre si tu n'es pas un homme d'alliance, soit avec Dieu ou soit avec le diable. Parce que quand quelqu'un commence à s'élever, il commence à compter des millions, il commence à avoir peur de sa vie. Qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher, même s'il n'avait pas les intentions de toucher au fétiche, mais il va chercher quoi? Des protections. Il va chercher des protections. Il va chercher la domination. Il va chercher la longévité. Et quand c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il va établir des alliances avec le diable. Pour qu'il puisse résister contre vos et Marie. Mais si quelqu'un monte aussi et qu'il connaît Dieu, il va faire quoi? Il va renforcer ses hôtels avec Dieu. Il va faire parler ses hôtels. Il va monter dans les alliances avec Dieu pour que, bien aimé, il monte contre vos et Marie. Maintenant, celui qui est élevé, soit dans la richesse, ou soit dans la sorcellerie, parce qu'il y en a qui sont élevés dans la richesse, mais il y en a aussi qui sont élevés dans les choses mystiques.
Ces personnes-là, bien-aimées dans le Seigneur, il va, qu'est-ce qu'il va faire cette personne? Il va, n'est-ce pas, marier toutes les filles de la famille. Tu es marié à quelqu'un? Peut-être que tu ne le sais pas. Quand tu chercheras Dieu dans la profondeur, voilà pourquoi nous sommes en train de parler de l'autel d'or. L'autel de paix, de purification prophétique. Ça va te révéler l'homme qui t'a marié. Voilà pourquoi Dieu nous a amené aussi dans la dimension du manteau prophétique pour ce programme. Dans la dimension de l'autel pour ce programme du 16. L'homme là qui t'a marié, Dieu va te le révéler. Ce n'est pas normal. Écoutez, arrêtons de normaliser ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu crois que tu restes comme ça dans le célibat. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que personne vienne, ni que personne ne vienne te dire des choses pour ne pas te faire endormir et que tu puisses perdre tes plus belles années. Oh, ça arrivera en son temps. Dieu sait, oui. Mais la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Tu penses que Dieu ne sait pas que tu as besoin d'un homme maintenant? Tu vois, tu penses que Dieu ne voit pas quand tu souffres pendant l'hiver? Tu penses que Dieu ne... Nous avons lu avec vous Ecclésiaste. Vous pensez que Dieu ne voit pas ça? Vous pensez que Dieu ne voit pas ça? Dieu qui a pensé à Adam, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu penses que pour Dieu, il est bon que tu sois seul? Il faut arrêter de nous mentir. Arrêtons de nous mentir nous-mêmes. Arrêtons. Combien des années ces esprits ont pris possession de ta vie? Aujourd'hui, tu t'approches des soixantaines. Aujourd'hui, tu t'approches des 70 ans. Aujourd'hui, tu t'approches des 40 ans, des 45, des 30 ans, des 35. Aujourd'hui, tu t'approches des 20, des 25. Bien-aimé, ça commence très tôt. Ne t'inquiète pas, ça commence très tôt. Si tu commences déjà à voir des gens qui te brisent le cœur, il y a quelque chose que tu dois régler. Comment toi tu es seulement belle sur les Instagram, belle sur le Facebook, belle sur les réseaux sociaux, mais dans la vie de tous les jours, cette beauté-là, ça ne bouge même pas un lézard. Ce n'est pas normal. C'est le moment de traiter ces problèmes. N'attends pas que ça s'empire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, arrête de normaliser. Non. Arrête. Le fondement maléfique, bien-aimé, ça détermine le niveau de vie que tu peux avoir. Le niveau de vie. Le niveau. Lorsqu'il y a un esprit anti-mariage, l'esprit anti-mariage est souvent accompagné par l'esprit de la pauvreté. Pauvreté. Blocage. Il y a de ces hommes, tu n'as pas besoin de prophétiser sur lui pour comprendre qu'il a un blocage. Il y a de ces personnes, c'est-à-dire que il peut te parler pendant 30 minutes. Tu comprends que ça là, même lui-même ne se connaît pas. Ce que tu peux faire, c'est seulement prier pour cette personne-là. Les esprits anti-mariage sont des esprits qui ont conclu des alliances maléfiques dans nos fondements. Ça a commencé depuis des années, par des rituels familiaux, par des choses, par des dédicaces maléfiques. Et ces genres de fondements, bien-aimés, déterminent la vie que tu dois avoir.
Les fondements maléfiques déterminent aussi le niveau de ta chute, la profondeur de ta chute. Elle décide ce que tu vas devenir dans la vie. Vous voyez? Écoutez, je suis convaincu que nous parlerons de ces choses-là. Des fondements maléfiques. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Que deviendra le juste? On parle de fondements renversés des justes. Vous voyez, le domaine du combat spirituel, cher ami, vous devez le prendre avec beaucoup de sérieux. Des fois, je me pose la question de ce que tu veux réellement. Veux-tu vraiment ta délivrance? Veux-tu entrer dans le processus de ta délivrance? Tu dois être un homme et une femme acharnés. Tu dois connaître comment les choses se passent. Pourquoi seulement toi? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi seulement toi? Qui t'a marié et qui t'a empêché de te marier dans la journée, dans la vie réelle? Qui t'a imposé un esprit? Il y a des personnes qui sont dans une relation, ils ne savent pas s'ils sont mariés ou pas mariés. L'homme n'est pas là. L'homme, il fait par exemple 5 ans, 6 ans. Et puis, il apparaît pendant 2 semaines et il disparaît. Et quand tu veux amorcer une procédure de divorce, c'est là qu'il revient. Il y a des relations comme ça. Ça veut dire que tu es entre deux. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Finalement, tu ne sais pas. Tu n'oses même pas parce que la femme va être contre toi. Il y a des femmes comme ça, mariées par la tradition. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas. Ça fait 10 ans que vous vivez avec un homme dans la maison, avec une femme à la maison. Il ne se passe rien, il n'y a plus d'amour. Tu ne sais pas que faire. C'est que tu dois faire quoi faire. Psaume chapitre 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Écoutez, ces esprits bien-aimés dans le Seigneur établissent des alliances dans le fondement. Il y a certains esprits anti-mariage que tu dois les attaquer dans le fondement. Pourquoi seulement toi? Je dis pourquoi seulement toi? Pourquoi seulement toi? Ça doit changer. Je suis en train de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y a un fondement maléfique dans ta vie, ce fondement maléfique a un droit sur ta vie. Donc, si dans les fondements de ta famille, il y a un esprit anti-mariage, automatiquement, cet esprit a un droit sur ta vie. Pourquoi? Par rapport aux alliances qui ont été faites. Mais tu peux briser ça. Les alliances sont brisées par les alliances. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Ils ont un droit. Les fondements te transportent. C'est comme un véhicule qui t'amène pas dans la direction que Dieu te veut, pas dans la direction même que toi-même tu veux, mais dans la direction imposée et à la vitesse de leur choix. Lorsqu'il y a un mauvais fondement ou il y a des esprits anti-mariage qui travaillent, il y a un retard, un esprit de retard. Mariage tardif. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire que ces choses doivent s'arrêter. Quelqu'un peut dire avec moi, ça doit s'arrêter.
Quelqu'un peut dire avec moi, ça doit s'arrêter. Quelqu'un peut dire avec moi, ça doit s'arrêter. Lève-toi. C'est le temps de vivre ton miracle en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu vous bénisse. Ceci est une annonce importante pour toute la grande famille révolutionnaire. Nous aurons du 1er mai jusqu'au 21 mai un programme d'exception. Ça sera notre tout premier programme de l'année 2023. Ce programme est intitulé La Couronne d'Esther. La Couronne d'Esther est un programme exceptionnel pour toutes les femmes qui sont, n'est-ce pas, fiancées. Et ces fiançailles ne se déterminent pas. Toutes les femmes célibataires, hommes, femmes célibataires, ou hommes-femmes fiancés, où il n'y a pas le mariage dans leur vie. C'est aussi pour toutes les femmes et tous les hommes qui sont dans une relation qui n'est pas encore déterminée. Ils ne voient pas le bout du tunnel. Écoutez, ce programme de jeûne et prière de 21 jours est un programme d'exception et de puissance que Dieu va se manifester et déverser sa grâce sur la vie de plusieurs. Écoutez-moi, bien-aimé, la couronne d'Esther sera sur votre vie. Écoutez, Esther est entrée à Suse, n'est-ce pas, est encore esclave, mais de l'esclave, elle est devenue reine. Bien-aimée, il y a une vache qui doit être délogée. Elle doit être, n'est-ce pas, remplacée par celle qui mérite la couronne. C'est un moment puissant, un moment de prière et d'orientation prophétique pour vivre votre mariage. Enfin, cette couronne sera sur ta tête. Et je suis convaincu que cela se manifestera puissamment. Je vous donne quelques numéros de téléphone, de WhatsApp que vous pouvez vous inscrire à ces numéros. Premier numéro, plus 32. Donc, je répète encore, plus 32 ou bien 0032. 466 42 54 64. Deuxième numéro, plus 596 696 05 73 77. Troisième numéro, plus 1 437 889 14 09. Un autre numéro, plus 44 74 04 84 21 61. Un autre numéro de téléphone du ministère, plus 32 492 42 94 52. Et je vous donne encore un autre numéro. Tous ces numéros, avec tous ces numéros, vous pouvez vous inscrire, n'est-ce pas, pour ce programme qui va commencer. À notre numéro, plus 596 696 20 77 58. Et ensuite, un autre numéro, plus 237 77 62 06 35. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu se manifestera fortement dans ce puissant programme. Un dernier numéro, plus 225 05 75 370 et 36
33 plutôt 36. Voilà. Je répète ce dernier numéro. Plus 225 05 75 370 336. Avec ces numéros, bien aimés, dès à présent, vous pouvez déjà vous inscrire à ce puissant programme qui bénira la vie de plusieurs. La couronne d'Esther est possible dans votre vie. Bien aimés dans le Seigneur, vous sortirez de ces programmes avec votre témoignage. Dans ce ministère, il y a Dieu. Et la Bible est en train de dire que le royaume des cieux appartient aux violents. Dès maintenant, alors que vous entendez le son de ma voix, vous pouvez déjà appeler les modératrices et vous inscrire pour ce programme. Ça sera un programme privé, comme nous avons l'habitude de le faire, avec des orientations que le Seigneur nous a données. Mais croyez-moi, bien-aimé, la couronne d'Esther sera posée sur votre vie et quelque chose de glorieux et de puissant se passera. J'ai hâte, cher ami, de commencer avec vous ce puissant programme parce que le Seigneur Dieu va se manifester d'une manière exceptionnelle. Cette année, la couronne d'Esther sera sur ta tête. Cette année, la couronne dans la vie sentimentale sera sur ta tête. Et Vati sera délogé, détrôné en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom sur vous. Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de six filles. Mais notre Dieu vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le corps de Dieu. Mon Dieu, cette histoire, c'est donc vrai? De ce démon de sida, tu es capable après 19 ans. Après 19 ans, tu viens enfin la délivrer de là où l'emprise où elle était. Au nom de parler le Seigneur. Vous êtes victime de sorcellerie, de problèmes familiaux, de blocages, maladies incurables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction, on a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Félix Pian, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivant et expérimentant la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et shalom chez vous. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Daddy et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire
le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus.